Tchiwa les gens, comment allez-vous? Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve enfin pour du Pokémon Heartfire. Donc comment allez-vous? Moi ça va super. Donc enfin je veux dire j'ai pas fait mes let's play à la suite parce que je pense que voilà. C'est que c'est la première fois que je fais des let's play donc là je suis en train de me dire en fait que voilà mes let's play je devais pas les faire comme ça à la suite parce que sinon je pense que ma chaîne ne sera pas vraiment intéressante. C'est pour ça que là je mets plein de vidéos. En ce moment je commence à faire des vidéos sur Clash Royale. Enfin j'en fais plein et j'espère que ça vous plaît. Parce que pour moi je pense que ça vous plaît et voilà. Donc malheureusement sur Clash Royale, eh bien il y a des problèmes avec mon clan et c'est ce que vous allez voir dans les commentaires, mais j'en suis vraiment désolé. Donc c'est pour ça là je suis un peu en train de régler ces trucs. Donc et après j'ai pas vraiment trop l'envie de faire des vidéos en ce moment parce que en ce moment je sors. En plus je me prépare parce que dans 4 jours non. Je posterai. Bon, allez, dans 4 jours, il y aura la Japan Expo. Et franchement, j'ai envie d'y aller. Parce que il y aura des révélations sur Pokémon Soleil et Lune et tout. Mais bon, c'est ma vie. On s'intéresse pas à ma vie. On s'intéresse au Let's Play. Et donc voilà. Donc la dernière fois, on avait battu Pierre. Et on avait envoyé un vieil ambre ici. Donc un vieil ambre, ça permet d'avoir un Tera. Si certains le savent. Et on a toujours notre même équipe. L'oracle, on a toujours notre même équipe, pas besoin que je vous la présente, elle a pas changé. Et on va tout juste commencer parce que à cause de moi, le temps de vidéo est réduit. Donc on retourne déjà au centre Pokémon, ce sera déjà bien. Donc la dernière fois, on avait perdu contre Pierre et lors du second round, on avait gagné. Et franchement, je dirais qu'on est un tout petit peu à sec. Que des poissons. Moi, je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire. J'ai pas dit ça va le faire, j'ai dit ça peut le faire. Mais bon. On va essayer, voir si on peut pas acheter de petites super potions ou même des Pokéballs. J'en ai acheté 4. Pour que ça fasse 15. Non, 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 merci. Et c'est bon. Route 3, on a obtenu joueur de sport, donc là ça va être un peu plus rapide. On va mettre la flamme en deuxième position, puisque Sasuke lui il est déjà niveau 14, parce que voilà, lui c'est un peu celui qu'il nous fallait pour l'arène. Ah. J'ai vu que je t'avais pas battu. Ya, j'adore les chars, viens me battre. Mais on s'en fout de ton chat, mais bon, vas-y. Fais péter. Sacripant. Peut faire mieux. Ah bah c'est bien ça! L'oracle, c'est bien! Presque. Non, là par contre tu peux rien faire contre un Bodo qu'on va changer et on va envoyer la flamme. Non mais c'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'ai pas touché à Pokémon Heartfire. Donc là je pense qu'on est à l'épisode 4. Oh non 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 non. Mais non mais une espèce de Zubidava. Espèce de chat. Voilà, oui, voilà. Voilà, espèce de chat. Allez, Abo et KO. La flamme ne gagne que ça? Bizarre. D'habitude la flamme c'est un Pokémon qui. Bon allez. D'habitude, comment s'appelle déjà ce Pokémon? Passe rouge, voilà, normalement passe rouge c'est un Pokémon qui gagne beaucoup d'XP. Donc je comprends pas.
C'est vrai que c'est une acrome, mais quand même. On va continuer notre route. Donc là, on se dirige vers le mont Sélénite. Pour ceux qui ont un petit trou de mémoire. Et maintenant, on va affronter la petite madame, là. Là. Mais c'est si je vais vite à Basson. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut rencontrer dans ce trou. Ah oui, c'est vrai! Quoi d'autre? Madame la connexion! Je veux pas dire, mais voilà. Excusez-moi si l'image freeze. Voilà, merci. Là, mais ton image va plus freeze. Donc là, c'est bon. Donc on peut continuer. Oh, un grenousse! Attends. Donc ça veut dire que là, s'il y a un grenousse, ça veut dire que... Ça veut dire que je me suis fait carotte. J'aurais dû prendre un autre starter. Ouah, je me suis fait carotte. Je peux avoir deux starters pour le prix d'un. C'est ce qu'on appelle se faire avoir. Oracle. En plus, ce qui est bizarre, c'est que c'est l'oracle qui gagne beaucoup d'XP et voilà. Bon, allez, on va dire qu'on va faire tous les dresseurs. Ces espèces de capers. Allez. Allez, tu vas nous faire une petite cogne des familles, hein. Parce que voilà. N'empêche, c'est bien d'avoir pris cogne à l'oracle. D'habitude, il faut attendre le niveau 15 pour qu'il ait au moins une attaque combat qui est forte paume. Sinon, il a que vive attaque. Et vive attaque, c'est vraiment pas le tip top. Corps perdu. Oh là là. Oh mais. Corps perdu. Non mais là ils ont abusé. Non mais là Riolu il est cheaté là. Corps perdu et cogne. Oh là là. Fennec. Est-ce que là ils l'ont mis directement Gypsy ou bien. Non, ils l'ont pas mis Gypsy. Ah là là, là maintenant, l'oracle est là, notre petit Riolu. Il fait le taf maintenant. C'est plus sympa. C'est pas mal qu'il faut dire ça, c'est à Riolu. Avec les attaques qu'il apprend là. Franchement, c'est surtout s'il nous sort un bon dynamo point. Là, il nous sort un dynamo point. Oh là là. Et il nous sort un dynamo point. Je praise the sun là. Franchement, je vous promets, je praise the sun. Je ne vais même pas les affronter. Ça sent le type insecte. Et qui dit type insecte dit la flamme. Non mais tu m'évites pas toi. Non mais espèce de caper. Tu m'évites pas. Non mais. En plus tu m'envoies à l'épidonie. Non mais je vais te calmer. Je te fais une petite flamèche des familles, je te calme. Mais si, c'est bien que la flamme soit directement, enfin passe rouge, soit directement de type feu, ça arrange nos affaires. Pérégrin. Et à Ilou Prismillon. Ah, je me souviens qu'à l'époque, Pérégrin, j'appelais l'insecte de Minecraft.
Mais franchement, mais regardez ses yeux rectangulaires et tout. Oh. On peut se laisser tromper par ça. Scoot James. Bon, allez, on va te les... Non. L'oracle. Et là, on arrive au Monseigneur Init. Hey, tu m'as poussé, là. Ah, j'ai bien fait d'envoyer l'oracle. J'ai bien fait, il envoie un type normal. Ah, franchement, vivement que l'oracle évolue. Comme ça, j'aurai un... Oh, un fucking Lucario. Ah là là. Level up. Ok. Juste ok. C'était un moment que la seule chose que tu trouves à dire, c'est ok. Ok. Bah, on reste dans le thème du hockey, donc... En fait, c'est moi où il y a plus de dresseurs. Il y a plus de dresseurs dans la version Arthur que dans la vraie version. Et comme par hasard, faut qu'il envoie un passe rouge, comme par hasard. Un scout qui envoie autre chose qu'un insecte. Tu peux pas faire Splamèche. Level 13. Ça va quand même, on avance vite. Enfin, oui, voilà. Oui, on va dire que j'avance vite. Au moins là, on n'est pas en retard. On n'est pas en retard niveau level. On prend notre temps. Et c'est beau ça. Alors. Et oui, vous savez quoi, la flamme va s'occuper de tous ces Pokémon. Parce que la flamme, pour moi... C'est l'aigle royal. Pour moi, c'est l'aigle. Ce scout. Non. Non, par contre, Vélodelf, on va pas être copain-copine là. La femme, tu peux te réveiller, s'il te plaît. La flamme, s'il te plaît, la flamme. Mais non, mais la flamme. Oh là là. Des PV perdus inutilement. Oh là là, la flamme, tu me défends un tout petit peu. L'insecte Minecraft. Un petit one shot. Ça fait toujours plaisir. Mais la flamme gagne rien comme XP. Non, j'ai soigné Pokémon. Je reviens quand... Déjà 14 minutes de vidéo. Bon bah je reviens quand j'aurai fini de soigner mon équipe. A tout de suite. Aïe, j'ai fini. Et on s'est déjà vu dans la forêt de jazz. Bon bah vous ressemblez tous les scouts, vous ressemblez tous. En plus scout Piotr. Déjà le nom. En plus, je peux te demander pourquoi toi t'es un scout, t'attrapes des insectes mais pourtant... Tu n'as pas d'insectes. Enfin, pour l'instant, on a le choix que t'as pas d'insectes.
Bon, là, le... Merci. Merci, la flamme. En plus, level 14. On va envoyer Sasuke. Et on va faire un petit écume des familles. Popopo, one shot. Donc là, c'est le switch dans tous les sens. Donc là, j'essaie de me dépêcher un peu parce que là, je viens de voir que en 14 minutes de vidéo, on n'a absolument rien fait. Donc là, j'ai un tout petit peu envie de me dépêcher. Toujours la même chose. Bon, est-ce que j'ai pris assez de Pokéball déjà? Tiens, ce Pokéball, c'est pas mal. Allez, pas le temps de niaiser. La flamme, t'es une warrior. Vas-y. La flamme, vas-y, tu la niques. Enfin, tu le niques. Je vous avais dit que la flamme, c'était une warrior. What the... C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Découverte, les gens. J'en étais sûr. Mais un gros locoque, c'est pas mal. On va le donner à... Tiens, je vais te le donner. Voilà, on va mettre ça dans cet ordre. Et on va entrer dans ce qu'on appelle le mont Sélénite. Ah. Dire que de base, le mont Sélénite, je l'aime pas, mais alors là... Bon bah... Accélération. J'espère que t'es pas type fait, toi. Oh non. Oh non. L'oracle, arrête. Merci. On trouve une potion. Oh, tu me cherches quoi? Magnéti. Non, mais pourquoi j'ai fait charge? Je suis allé beaucoup trop vite. Perdre des PV inutilement. Non, Lixi, c'est bon, tu peux rester. Statique. Sérieusement, Lix avec statique. Oh là là là. Non, allez. On va se... Ouais, mais t'es un scout, t'es un racaillou. Je vais essayer de le brûler.
En plus, puisque Rakayu, ce n'est pas une bête en attaque spé, en défense spé, pardon. Je pense que je pourrais l'avoir. Ah, le gros lecoq. Serre. Il fait les yeux plus gros que le monde. Et quand même, Serfos, il fait mal. Je veux pas dire, mais il fait vraiment mal. Et l'oracle niveau 16. L'épidonie. La flamme, c'est à toi. Oh, la magie du gros lecoq. Oh, fossile. Ouais, mais franchement, le Monsigny, t'as bien changé. Voilà, on va faire une vidéo un peu plus longue. Parce que voilà. Parce que je vous ai fait perdre un peu de temps. Donc, vidéo un tout petit peu plus longue que d'habitude. Magie du gros lecoq. Je cherche des fossiles. Ok. C'est moi, il n'y a pas beaucoup de Pokémon sauvages ici. Oh lolo. Antiparas. C'est bien. Mais en fait, j'ai l'impression que ce Monsénic-là, il est beaucoup plus labyrinthique que l'officiel. Ah, voilà, ce sacré poème m'a fait mal. Osley, Sasuke, c'est à toi. Ah oui, c'est vrai que t'as pris double pied. Mais tu peux pas prendre notre attaque, dis s'il te plaît. Parce que c'est vrai que écume c'est bien, mais quand même. C'est pas la meilleure attaque de Tifo. Oh, non, sur la tue, par contre, là, tu m'énerves. Gamma Johnny! Attendez une seconde. Tu vas évoluer, bitches. Ouais, impression. La flamme. Oh là, t'es classe, la flamme. Aïe aïe. Bon, 24 minutes de vidéo. On peut faire mieux. On va voir ce que fait double pied. Ouais, pas beaucoup. Pas beaucoup. Prototope. Et on va avoir une autre évolution après le combat. Après ce combat. Ou Onyx. Attendez, évolution. Sasuke.
Keva évolue et il aura un Susanoo noir. Ce sera le meilleur ninja avec le Chidoriko noir. Et oui, là on a un vrai ninja là. Là on a un vrai ninja. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir arrêter la vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Surtout un gros pouce bleu pour ces évolutions, ma gueule. De bonnes évolutions. Les évolutions comme on les aime. Et ouais. Comme quand tu vois ton Karma s'évoluer en Karchakrok. Comme quand tu vois ton Draco s'évoluer en Drattak. Ouais. Ces évolutions qui resteront gravées dans notre cœur. Et ouais. Je fais ça, donc n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à partager la vidéo avec vos proches et vos amis, ça fait toujours plaisir. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne, hein. Ah bah ouais, hein. Parce que là on a un ninja, on a un mini Atlas Flame, et après on aura un combattant d'acier. Donc mieux vaut que tu nous rejoignes, alors abonne-toi. C'était Nezaki46 à l'appareil. Sayonara.